Bonjour à tout le monde et bienvenue à Besançon Label. Merci. Petite vidéo dans la salle des réveils, dans la salle de réveil d'un hôpital. Donc salle de réveil où les gens sont tous branchés là. Huit lits, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 litres. 8 lits, 8 litres, le mec. Non, non, je ne suis pas alcoolique. Donc salle de réveil, je pense qu'à côté, il doit certainement avoir une salle pour les interventions. Ce qui serait la logique même. Le petit coin kitchenette pour les infirmières puissent manger, infirmières ou infirmiers ou médecins ou docteurs. Que sais-je encore? C'est certainement en fait pour que les infirmières, ah bah ou même les docteurs puissent échanger, ouais, c'est marqué là, les noms des toubibs, puissent mettre leurs petites affaires tranquilles. Ah là, c'est le coin des docteurs, quoi. Ouais, c'est ça, tous les toubibs. On va pas tous se les faire, mais voyez un peu le truc, quoi. Hein? Ouais, je me dis qu'il doit certainement avoir une salle pour les interventions, pas très loin. Faut la trouver. Ah bah voilà, je suis tombé dedans. Porte en fer, forcément. Ça doit être le coin où... Ou peut-être que c'est dans ce sens-là. Oula, je me suis égaré. On va recommencer, on va essayer de faire logique. Ah, je vois une porte du truc en fer là. Oui, voilà. Là, on est en fait dans les interventions là, médicales. Là. Donc le petit coin pour se laver, avec des petites cellules d'eau qui fonctionnent encore apparemment. Non, ça a été débranché, mais les boutons verts. Donc voilà, tu te laves les mains là. Et tu t'en vas opérer. Ouais. Je pense que là, c'était pour faire passer les lits. Et puis là, les toubibs, ils viennent de là. Là, pour mettre les radios. Appelez ici s'il y a un problème.
Ah, ça marche. J'y crois pas. Attends, je vais éteindre ma lumière parce que franchement. Bon, bah, en fait, ça se peut que tout fonctionne. Faut que je vérifie. Donc, salle d'intervention. Là, ça fonctionne? Oh, dis donc, mais je viens de découvrir un truc. Voilà. Je vais éteindre pour pouvoir passer à côté. Quoique, non, je vais laisser allumer, j'ai besoin de lumière. Ça doit être une deuxième salle, là, j'appuie. Ouais, magique. Alors, je vais mettre ma lumière dans un premier temps. Ouh. Faut être rapide, hein. Ah oui, ça fonctionne. Encore une autre salle. Ou peut-être que c'est, je sais pas, peut-être que c'était un truc pour les scanners, les IRM, mais c'est un faré. Avec les lavabos à côté, puis les portes automatiques, comme ça fait penser un peu à une salle d'opération. Bon, je vais aller l'éteindre, ça sert à rien de se faire griller. Bon, apparemment, on a fait à peu près le tour des salles de réveil et autres salles d'intervention. Je vais revenir sur mes pas, tiens, je vais la traverser. Ich. Ah ouais, là, il y a du matos en fait, au dos, il y a toutes les vannes. Encore une autre salle. Bon. Voilà. Ah non, ok, d'accord, ça j'y étais. Tout le matos qu'il faut au cul pour gérer tout le matériel, air liquide. Enfin voilà quoi, normal. Ça doit être la porte que je disais tout à l'heure. Non, c'est une autre salle. Salle de transfert. Je comprends pas pourquoi il y a une porte là alors que tu peux passer par là. Voilà. Ok. Bon. On va en rester là. Alors je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si ce n'est pas déjà fait, un, deux. Et n'oubliez pas, la liberté, c'est à chaque instant. Salut!